Les amis, avec seulement 3 ingrédients, vous pouvez réaliser cette recette de pommes de terre facile et délicieuse. J'ajoute 3 pommes de terre coupées et déjà cuites. Puis ajoutez 3 œufs. Ensuite, à l'aide d'une spatule, écrasez bien le tout. Cette recette est très rapide et pratique. Vous allez voir. Les ingrédients sont simples et vous les avez tous forcément à la maison. Cette recette est très facile à réaliser. Après avoir bien écrasé les pommes de terre, tous les ingrédients sont bien mélangés. Ajoutez maintenant une tasse de fromage râpé. Remuez bien le tout. Cette recette est une collation rapide et parfaite, n'est-ce pas? Vous allez tout simplement adorer, les amis. Après avoir mélangé, prenez une petite quantité de pâte et faites-la frire dans une poêle huilée. Répétez le processus avec autant de pâte que possible dans votre poêle. Faites autant de boulettes que possible dans votre poêle. À l'aide d'une cuillère, façonnez les pommes de terre en forme de boule. D'accord les amis? Je fais toujours cette recette à la maison et tout le monde l'adore. Elle est vraiment très bonne. Les amis, au bout de quelques minutes, retournez pour faire dorer l'autre côté. Retournez délicatement pour ne pas casser la boulette au milieu. Laissez dorer des deux côtés. L'odeur est merveilleuse. Après la friture, retirez les boulettes du feu. Mettez-les sur une assiette et dégustez cette recette. C'est tellement bon, les amis. Délicieux.